Previously on Asia Trek. Ceci est l'énorme rivière qui s'appelle le Danube. Je vous explique même pas. Chaque part de rêve comporte son cauchemar. Même Le Bœuf. Your family name? My family is Le Bœuf. Le Bœuf. No. Stefano Le Bœuf. Stefano. Bon, bah, Asia Trek continue. Voilà, c'est très joli. L'avantage, c'est quand c'est un peu enneigé comme ça, c'est très beau. Alors plutôt que la neige à moitié fondue ou le truc, j'aime autant quand il y a du froid sec. Le froid sec. Alors c'est un peu le paradoxe de mon truc, c'est que j'aime bien le vent parce que j'ai besoin du vent. Ça m'aide beaucoup et ça refroidit. Bon ben voilà, Donauwörth, je sais pas comment ça s'appelle. Le souci un petit peu de l'Eurovélo 6 en version allemande, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt que de faire un bout de route, ils font passer par le bled, donc forcément monter les côtes et les descendre, et les monter, les descendre, et les monter, les descendre, plutôt que de nous faire rouler sur la route. Café. Bon, ma bivouac humide, froid. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Les corvidés volent bas. Il va pas faire beau. Cela dit, sans voir les corvidés. Ça n'a pas envie de bouger. Là, mon bivouac de cette nuit. Donc le tout, le plus dur, c'est de trouver un endroit potable. Quand je dis endroit potable, c'est-à-dire un endroit avec de l'herbe propre. Le seul endroit à peu près potable, quand je dis à peu près, j'ai plus de cou là, j'ai mal au cou. Voilà, c'est le seul endroit à peu près potable. Neuburg. Voilà, comme je disais tout à l'heure, bah, je vais m'arrêter moi du côté de Munich. On me propose le shit et le couvert. Et comme j'ai vraiment une contracteur qui me fait mal, je pense que ça va être un petit arrêt. Bon, bah, je suis du côté de Straubing. Voilà, donc l'escapade, j'ai fait un petit Z
C'est-à-dire que d'où j'étais, j'ai fait un... pour remonter vers le Danube. Voilà, je me suis arrêté à Munich pour, bah, pour récupérer quelques pièces, le matelas neuf. Ce matelas était HS. Voilà, donc là, je suis reparti après donc de Regensburg, direction Strobing, une quarantaine de bornes. Strobing où j'ai fait du camping sauvage, ce qui n'a pas plu d'ailleurs au propriétaire du camping. Bah, faut dire en fait que j'ai crevé dans son camping, donc j'ai bien été obligé de m'y arrêter. C'est très froid. Voilà, bah, je pense que c'est le dernier bivouac en Allemagne. Là, je suis du côté de... En gros, pas très loin de Passau. Pas loin de la frontière, enfin je suis à 50 km de la frontière autrichienne, voilà. Mais il y a un vent, mais c'est froid, c'est un vent gelé. Là ça fait juste 10 secondes que je tiens l'appareil photo comme ça et j'ai la main complètement gourdie. Donc c'est très très froid, c'est un espèce de vent, vu la configuration des lieux qui vient du nord, ça caille. C'est très très froid. Dernière ville allemande. Der letzte German City. Parce que la prochaine balade va mettre en Autriche. Direction Linz et Vienne. Troisième frontière d'Asia Trek franchie, quatrième pays, moi en comptant la France. Hein. Donc bah c'est cool. Ça se passe pas trop mal, voilà. Assez content. Allemagne, Autriche. Allemagne, Autriche. C'est con. Voilà. Ceci est l'occasion de vous présenter quelque chose de typique. Enfin, de typique. Je sais pas si c'est vraiment typique, mais... toujours est-il qu'il y a des passeurs. Pas forcément des passeurs d'aventure, mais des passeurs en bateau. Voilà. Donc il y a une petite cloche, il suffit de clocher, de sonner, et on nous fait traverser avec ces beaux bateaux que l'on voit là. Sauf que là c'est l'hiver, donc forcément c'est pour faire passer trois pélos ou un couillon avec son vélo à voile, et ben il n'y en a pas. Donc mais c'est assez drôle. Il y avait des montagnes partout et là j'ai même pas fait gaffe en sortant de la ville, plus rien, plus une seule montagne, ça veut dire que je vais pas avoir du vent. Voilà, donc peut-être un copain qui va faire la course avec moi. Il dirait qu'il y a intérêt de se taper la bourre avec une péniche, elle va gagner de toute façon. Oui, en attendant moi ça me permet d'aller plus vite. En face, il est dur. Wow, assist, fast.
Donc là, j'ai traversé le Danube pour me retrouver dans une petite ville. Voilà. Avec une dame qui éclaire. Linz, bah, je pensais pas y arriver, mais en fait je suis allé gentiment en pédalant. C'est plutôt cool. Je pars de Linz sans avoir mangé un Linzer. En fait, avec les choses qui sont fermées le week-end, j'aurais dû arriver une journée plus tard. Ça aurait peut-être été mieux. En attendant, j'ai pas assez une journée de plus pour pouvoir voir quoi. Bon ben, me revoilà à Linz. Donc hier, j'étais du côté de Mauthausen. J'étais obligé d'arrêter parce qu'il y a un con qui m'a reculé dedans au moment où je passais. Voilà, la roue arrière complètement explosée, le vélo anti-amorflé. Donc bah, j'attends celui qui m'a cassé le vélo pour qu'il vienne m'emmener chez un marchand de vélo. J'espère qu'il va se manier le cul. Parce qu'on a le problème, c'est qu'on est le 24 décembre et voilà. Bref. Il faut être honnête, hein, j'ai jamais aimé Noël. Noël, c'est toujours des souvenirs de gamin un peu pénibles. C'est toujours le moment où bah, mes parents bossent le plus. Ils terminent tard, c'est-à-dire qu'ils ferment à 8h. 8h30, la veille de Noël. Le lendemain de Noël, ils bossaient des châteaux aussi. Bref, c'était quand même un peu la catastrophe. Et bah, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été beaucoup de boulot. Voilà. Pour au final, pas grand-chose. Ouais. Douce nuit. Oh là là, quelle horreur. Pirsenhur, Geschlossen. Geschlossen. C'est triste, hein. Donc voilà, je suis avec Gerhard qui m'emmène au commissariat de police. Voilà, donc Gerhard qui m'a rejoint hier à l'hôtel Ibis. Salut Tellworld, Gerhard. Salut Tellworld. I should say a word for you. But it, yes, I'm happy to can help maybe a little, and so we try to find a solution for your problems. Well, actually, that's it. Un grand merci à Nick-Marie Bouchard qui a posté un petit mot sur un forum Facebook, et voilà le miracle de Noël. The spirit of Christmas. Yes, of course, you can say so. We are the 25th of December and it's time to have lunch. Donc, bah, on reprend un petit peu les habitudes de Manouche. Manouche immobile. Voilà. Là, vous avez le plat, voilà. Enfin, le réfrigérateur. Avec bah, les spätzle, là. Les spätzle avec un fond de viande, le dessert, du riz espagnol, du riz, olé. Sorry. Voilà. Welcome to my world. Ta-da-da-da-da. Welcome to my world. Bon, donc faut préchauffer quand même le réchaud. Bienvenue dans un pays qui s'appelle le Manouchistan. C'est un pays qui bouge avec moi-même. Pays à géométrie variable.
où le faillot se mélange au poulet tandoori, où le riz se mélange à la sauce spetzel et au gruyère râpé, vit quand même une manouchistan. Marcio m'a offert pas mal de cadeaux, voilà, grâce à Nick Marie qui a contacté sur le site de l'INS. Voilà, plein de... Voilà, c'est très difficile de décrire son accueil, sa gentillesse. It's for the to get free food and drinks for the homeless. And yeah, a friend of you, a girl, contacted mm-hmm. me because your bicycle was broken, and so I tried to get it repaired and make you a nice stay in Linz. Yeah, oh. Because you are here about for a week and it's not a fine time without friends. Yeah, it's very hard sometimes. Yeah, so bye. Je refusais d'aller sur son lit, donc il y a la couchette derrière. Ouais. Il me dit, écoute, t'as l'intersection ici, il y a un restaurant ici, et puis s'il voit une fille à l'endroit où tu es, voilà, moi c'est problème, parce que j'ai une femme, alors ça c'est problème, ok? Donc tu vas là et je te cache. Il me faisait se mimer et je comprenais rien de ce qu'il me disait, mais après deux ou trois fois qu'il m'explique ce qu'il s'était arrêté sur le bord de la route, je finis par accepter, j'y vais, et là, il me cache derrière le truc, et puis bon, on passe un petit peu après. Moi je me dis, ah, je sais pas, je suis fatiguée, là je m'endors un petit peu. Là, je lutte, et puis je sens tout d'un coup le camion qui se ralentit parce qu'il se remet sur le côté, on a passé l'intersection en question, et moi je me jette sur mon banc, et c'est à ce moment où il fait, Annick, Annick, et il défait son pantalon, et puis, sex problem, et puis ouais. Ah, yeah, sex problem. Sex York, Natasha Daylim, je suis pas une pute, tu sais. Et puis là, je remets mes chaussures, et puis quand même assez calme. Et puis lui, il continue, il fait, oh non, Annick, Annick, problème, il y aura pas de sexe dans le temps. Et il me fait, juste. Et là, il y aura pas de sexe. Moi, je fais, higher problem. Et là, il fait, non, 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 Annick, 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 juste, regardez, tu vois. Et je fais, mais non, je regarde, mais non, t'es un peu comme, ah, t'es lourd quand même. Ouais, c'est clair. Et là, j'ouvre la porte, je descends, j'ai mon sac avec moi, je fais, bon ben au revoir, et je ferme la porte, et lui, ah, allez, allez, et là, il met ses lumières, tu sais, pour faire un appel de phare et tout, et là, il me sort après, Annick, Annick. Je détestais d'avoir dit mon prénom à ce mec parce que je l'entendais encore pendant des heures. Et puis t'as le mec, il est par la fenêtre de son camion et il me fait, bah, t'as oublié ta carte. J'avais une carte du coin quoi que j'avais sortie. Et puis il me l'a redonné, je fais, t'es chacu le délire. Il est gulé, oh putain. Donc ça craint alors le stop en Turquie. Ouais, non, c'est un peu dur quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est très facile de se faire prendre. Ouais. So wie fünf, vier Leute, ne? Vier Leute. So die yes, yes. Okasu, zwei. Okasu. Okasu. Ich war das mit diesen Zetteln. Die Piratislava brauchen wir noch. Nächstes Jahr machen wir das. Ja. Thanks, bye. Yeah, I think that we have to use the drill. Yeah. Ah, relax.